Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo pédagogique. Je suis Mister Art d'Orly et j'aimerais vous proposer quelques plans. Alors, j'aimerais commencer par le commencement, bien sûr, c'est-à-dire la tenue du médiator, déjà, c'est-à-dire bien le médiator perpendiculaire par rapport au pouce et bien perpendiculaire par rapport aux cordes, ce qui évite d'avoir tout un tas de bruit de fond quand on joue les cordes. Ensuite, j'aimerais attirer aussi votre attention, je sais que c'est des choses qu'on dit souvent aux débutants, mais il est bon de les rappeler, c'est d'avoir, de travailler cette régularité de l'aller-retour sur une note, notamment comme ceci. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une vraie régularité, quitte à le travailler avec un métronome. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait de travailler aussi la main gauche, car la main droite ne suffit pas, sur des exercices simples, toujours des choses simples. Par exemple, sur la corde de mi aigu, on va travailler les cases 5, 7 et 8, en aller-retour, lentement au début et de plus en plus rapidement, mais toujours régulièrement. Voilà, jusqu'à arriver à un mouvement régulier et rapide. On peut travailler cela avec tous les doigts, c'est-à-dire le doigt 1, 2 et 3, ou les doigts 1, 3 et 4, comme ceci. Indifféremment les deux doigts, et sur les autres cordes, c'est-à-dire que vous pouvez travailler ça sur toutes les cordes de la guitare. Vous pouvez aussi travailler les autres sens de direction, c'est-à-dire de faire 8, 7, 5. Toujours avec les doigts, et aussi combiner les deux, c'est-à-dire 8, 7, 5, 7, 8. Et vous remarquerez toujours que ma main droite joue chaque note en attaque, c'est-à-dire en aller-retour. Alors ceci est très important au début pour bien avoir un son propre et un jeu régulier. Alors j'aimerais maintenant vous montrer quelques plans simples. On va se baser donc sur la pentatonique de La mineur. Je vous signale juste au passage que je suis accordé un demi-ton en dessous. Donc quand je joue un La, vous entendez un La bémol réel. Alors la pentatonique de La mineur, tout le monde la connaît. Alors j'aimerais vous montrer des plans cycliques, simples, sur quelques notes que vous pouvez insérer dans vos solos et qui font partie du vocabulaire blues. À commencer, par exemple, sur ces trois notes Si, c'est-à-dire La, Do, Ré, tonique, tierce, quinte. Et on va faire tourner un petit plan cyclique, c'est-à-dire qui va se reconduire sur lui-même et qui sonne très très blues. Alors si vous le jouez à vitesse normale, ça donne ceci. Et ça marche aussi sur toutes les cordes. Alors d'autres plans utilisés cycliquement, il y a ce plan qui est cher à Johnny Winter, que j'aimerais vous montrer. Donc toujours sur la pentatonique de La, le La se trouvant ici. On va commencer donc par la tierce Do, et on va jouer La, Sol et Mi. Ce qui nous donne... Voilà, à la vitesse normale. Alors vous pouvez agrémenter ce plan d'autres notes complémentaires, comme vous avez pu le voir. Un autre plan, ce coup-ci, cher à Eric Clapton, toujours en La. Et on va jouer les notes de la pentatonique en gardant toujours intercalée la note tonique, le La. Ce qui va nous donner lentement. Ce qui nous donne à vitesse normale. Alors j'aimerais vous montrer encore d'autres plans très cycliques. On va commencer par le plus classique. Toujours sur la pentatonique de La, je bend la quarte. Je joue le Mi
et le La sur les deux cordes aiguës. Voilà un plan que vous avez entendu sur beaucoup d'albums. D'autres plans un petit peu plus particuliers, dirons-nous. Je vais utiliser donc la tierce et je vais barrer sur les deux cordes aiguës, toujours sur la pentatonique de La. Et je vais faire comme un moulinet en jouant un coup la tierce, un coup la seconde et un coup la quarte. Ce qui me donne lentement. À vitesse normale. Alors ça marche aussi pour les cordes du dessus. Alors là par contre la difficulté c'est qu'il faut arriver à bien écarter l'index et l'annulaire pour aller chercher entre la case 5 et la case 10 ici. Ça demande un écart un petit peu important mais tout ce travail. Un dernier plan que j'aimerais vous montrer aussi. Un plan cher ce coup-ci à Stevie Ray Vaughan. Toujours pentatonique de La. La tonique étant ici, et je vais jouer la septième mineure et la tierce, en rajoutant de temps en temps la quarte, ce qui me donne lentement. Voilà, donc à vitesse normale. Alors une dernière petite astuce que j'aimerais vous proposer, j'aimerais vous parler du quart de ton. Alors le quart de ton, c'est ce qui donne ce côté un petit peu tendu dans le blues. Alors notamment sur le plan que je viens d'utiliser. Si je le joue avec des notes naturelles pas tendues, ça me donne ceci. Ce qui sonne très propre, mais ça manque un petit peu justement d'humanité, je trouve. Alors ce qu'on utilise, c'est le quart de ton. Par exemple, sur la tierce ici, au lieu d'aller jusqu'au do dièse qui est la tierce majeure, je vais la tirer d'un quart de ton, c'est-à-dire entre le do et le do dièse. Ce qu'on peut considérer comme une note fausse, mais ce qui donne ce côté particulier au jeu soliste du guitariste de blues. Alors je vous le fais sans le quart de ton et avec le quart de ton. Sans le quart de ton d'abord. La même chose avec le quart de ton. Vous voyez, ça donne une petite tension supplémentaire. De même que sur un plan standard en pentatonique. La tierce ici est naturelle, je vais faire le même quart de ton sur la tierce dans le même plan. Voilà, ça marche bien sur la tierce mineure qui a tendance à tendre vers la tierce majeure. Alors pour conclure ce paragraphe sur les plans simples, j'aimerais vous montrer un exemple de solo sur 3-4 notes. C'est-à-dire que dans le blues, il n'est pas forcément nécessaire de se concentrer sur l'harmonie et de jouer plein de notes différentes. Avec 4 notes, dans la pentatonique, mineure toujours, il est tout à fait possible de faire un solo en entier, 12 mesures. Je vous donne un exemple, toujours avec ces 4 notes-là, dans la pentatonique de La mineure, je vais utiliser le Sol, le La, le Do et le Ré, que je bendrai éventuellement jusqu'au Mi. Mais je ne vais utiliser que ces 4 notes-là. Blues mineur en La, 12 mesures. Voilà, un solo de 12 mesures avec 4 notes. Donc je vous invite à creuser ces plans, à essayer de les travailler lentement au début, toujours régulièrement, et de les accélérer petit à petit. Alors pour conclure, j'aimerais vous montrer encore quelques plans cycliques, mais en pentatonique majeure cette fois-ci.
toujours en la. On va partir sur ces quelques notes là. Et le but, c'est de pouvoir jouer des petits gimmicks qui vont revenir régulièrement. Alors un exemple, par exemple, sur un blues 12 mesures en la. Voilà, donc c'était un petit blues dans l'esprit de B.B. King. J'aimerais aussi attirer votre attention sur l'importance du son et du choix des micros que vous allez faire pour jouer tel ou tel type de blues. Par exemple, je vous parlais de B.B. King. J'aime particulièrement le micro aigu, le micro médium, pardon, sur la strato pour retrouver le grain très B.B. King, toujours en la. J'aime la position intermédiaire entre le grave et le micro-médium pour des sons plus Stevie Ray Vaughan. Le micro-grave me satisfait assez bien pour les sons type Gary Moore. Et le micro aigu pour les sons très easy top. Voilà, c'était la petite vidéo pédagogique de Mr. Hardorly. J'espère vous retrouver bientôt en concert. À bientôt et grattez bien. Tchuss!